Bonjour mes amis Balance, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez le moral vu les circonstances actuelles hein, de confinement, reconfinement. C'est difficile, hein, en ce moment c'est dur à supporter. Mes petites balances, donc cette guidance va parler de, c'est votre taroscope du mois d'avril 2021 pour vous. Mes amis balance, ascendant balance, lunaire en balance. Bien sûr, ça reste un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc vous prenez vraiment les choses qui résonnent en vous, mes amis. Et s'il n'y a pas de message pour vous, vous écoutez votre ascendant et lunaire, tout simplement. Allez, on va commencer avec l'oracle de Crayon pour voir un petit peu ce que l'univers a à vous dire. Déjà, l'ambiance énergétique pour vous, mes petites balances. Pour les balances pour le mois d'avril 2021. Pour les balances. Madison, affirmez votre pouvoir. Ah, elle est magnifique cette carte. J'ai l'impression que vous allez exploser. Exploser dans le bon sens. Vous allez communiquer votre savoir, vous allez communiquer vos émotions, vous allez être dans votre propre être, dans votre propre cœur, pour exprimer des choses aussi. C'est ce que je ressens. Ce que je ressens avec cette carte, c'est aussi que vous allez vous affirmer dans un projet professionnel. C'est ce que je ressens. Il y a aussi le fait que ce que je ressens très profondément, c'est déjà que vous avez beaucoup d'intuition, hein, il y a le cœur qui s'ouvre. Donc vous vous dirigez vers un nouveau travail qui touche à vos aspirations, qui touche votre âme, hein, qui vous ressemble. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Il y a une explosion de votre énergie, mais une explosion aussi dans la communication. Et vous sortez de chez vous, vous sortez de votre coquille pour enfin vous réaliser. C'est ce que je ressens avec cette carte. Et vous allez vous affirmer, il y aura peut-être une notion de choix, de décision. Et lorsque vous allez prendre cette décision, d'ailleurs dans votre tête, elle est prise, cette décision, mais quand vous allez être dans l'action, dans le réel, pour vraiment faire, accomplir quelque chose, ou partir de votre environnement, partir d'une relation toxique, hein, vous vous adaptez selon votre situation, bien évidemment, vous allez pouvoir retrouver votre énergie, votre pouvoir, et vous réaliser. Une petite balance. Il y a eu peut-être aussi de la confusion en vous, de l'indécision. Je me dis que vous allez. Oh. Alors, avec l'oracle des mandalas d'énergie, vous avez du temps pour toi. Regardez, la dominance rose, le cœur, l'amour, la tendresse, l'affection. Détends-toi. Prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta vie, ta joie de vivre. Ouais, parce que ça n'a pas été ça, hein, les petites balances. Hein. Il y a eu aussi des peines de cœur ou des déceptions sentimentales, des déceptions affectives. C'est ce que je ressens. On a été déçus. Ce que je ressens, c'est que vous, vous ouvrez votre cœur, vous vous occupez de vous et vous vous dirigez vers des choses qui vous font du bien. Mais vous vous exprimez, vous dites les choses, même à votre autre, si vous êtes marié ou vous vivez avec quelqu'un, j'ai l'impression que vous n'avez pas pu exprimer ou quand vous vous exprimiez avec cette personne, il ne vous entendait pas, il ne comprenait pas ce que vous vouliez lui dire, lui transmettre ou il n'écoutait pas. Parce que vous avez quelqu'un d'assez renfermé, d'assez peut-être timide, assez ouais, réservé, qui ne parle pas. Et donc, ça a été difficile toutes ces années de monologue, en fait. C'est ce que je ressens, de monologue. Et peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont marre. Et oui, c'est ce que je ressens, moi. Allez, avec la sagesse de l'oracle, ouais, c'est ce que je ressens fortement.
pour les balances. Pour le mois d'avril 2021. Oh ben dis donc, hein, tout ça, il y en a trop. Il y en a trop qui sont tombés. En tout cas, je vous remercie de tous vos petits commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires très, 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 très gentils. Les balances, les balances sont très gentilles. Pas toujours. Je veux pas qu'il y ait encore des commentaires. Il y a des petites gentilles. S'ils sont adorables, les balances. Moi, j'aime beaucoup. Mais lorsqu'ils ont quelque chose à dire, ils le disent. Et c'est tout à fait normal, comme tout le monde, évidemment. Alors, mes petites balances. Ah ouais, pas pour vous. Il y a la carte pas pour vous. Il y a des choses où, dans lesquelles vous renoncez. Il y a des choses pour lesquelles, soit avec des personnes, hein, vous adaptez selon votre situation. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous voulez mettre en place, que vous construisez, un projet professionnel. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être eu du blocage ou des petites choses qui ne se sont pas bien enclenchées pour faire avancer votre projet. Mais ce n'est pas une situation d'échec. Parce qu'on a toujours une pensée, des pensées dans notre tête. Quand on veut créer quelque chose ou qu'on met en place des choses, c'est qu'on se fait un cinéma dans la tête, un film. Et en fait, les choses se font, mais pas d'une façon, mais d'une façon différente, pas comme nous avions pensé. Donc c'est pas un échec. Et peut-être que vous avez pris ces choses-là comme un échec et vous avez peut-être, vous êtes peut-être dit non, c'est pas pour moi. Ben, il y a peut-être des choses qui vont se remettre en place parce que ça va peut-être s'éclaircir. Vous allez peut-être aussi avoir un petit peu plus d'informations, vous voyez, pour reconstruire votre projet. Moi, on me dit faire le ménage et vous avez fait le ménage, peut-être au niveau relation ou peut-être dans vous-même, dans vos énergies. Moi, je ressens que vous êtes en train de faire une introspection, vous êtes en train de beaucoup réfléchir et vous avez des choix, des décisions à prendre hein, justement au niveau professionnel. Alors, ça peut être sur un nouveau contrat, ça peut être sur un nouveau projet aussi, hein, sur de nouvelles fonctions. Mais vous avez quand même une petite indécision hein, parce que je ressens qu'il y a aussi l'idée d'un choix. Donc, prenez du temps pour vous. Mais en sautant le pas, vous allez pouvoir affirmer votre pouvoir. Et les autres vont voir de quoi vous êtes capable. Vous voyez, il y a une reconnaissance. Ouais, il y a une reconnaissance. Et pourtant, ces derniers temps, c'était ça, pas pour vous. Vous aviez l'impression que rien que vous... Les choses que vous entamiez, ça ne marchait pas. Et vous vous sentiez... inutile, pas entendu, pas écouté, ça a été difficile, hein. Il y a eu des blocages, mais vous avez su faire un tri et ouais. Ben, vous allez dans l'action, hein, mes amis balance. Hein. Il y a le yang, hein. Le yang c'est l'action, c'est le côté masculin. Hein. Ouais. Et moi ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a la carte de la longue, comment c'est, une longueur d'avance. En fait, ce que je ressens très, très fortement pour vous, mes amis balance, il y a encore un petit peu d'indécision. On est encore en train de faire une introspection pour se débarrasser de certaines énergies ou de peur ou d'angoisse. C'est ça qui vous donne cette indécision, vous voyez, cette peur de prendre une décision. Mais vous allez dans l'action. Vous allez voir clair, vous allez avoir des révélations. Ce que je ressens dans ces choses tout à l'heure dont je vous parlais, que vous avez essayé de mettre en place et que ça ne marchait pas ou ça bloquait, là, mais ce n'est pas vain ce que vous avez fait parce que quelque part, vous avez quand même obtenu certaines informations. Vous allez peut-être reconstruire votre projet et ça va avancer très vite. Je ressens énormément un projet professionnel qui va aboutir. Ouais. Qui va aboutir. Oh, c'est très bon au niveau sentimental. Hein. Oh, pour moi, côté cœur, il y a une belle rencontre sentimentale avec beaucoup de fidélité, d'amour dans cette relation. Peut-être que vous avez
Vous n'avez peut-être pas été, pour certains, ceux qui ont quelqu'un dans la, dans le cœur. Peut-être que, vous aviez une indécision pour, vous engager avec cette personne. Vous voyez, il y a eu beaucoup peut-être de confusion. Peut-être que vous avez dit non, c'est pas pour moi. Mais écoutez, hein, il y a quand même des choses qui se révèlent, qui se concrétisent et vous allez dans l'action. Hein, parce que vous allez voir, vous allez avoir vos réponses que cette personne est fidèle, hein, et qu'elle vous aime, hein, cette personne. On va mettre ça. Ah, excusez-moi. Là, vous avez besoin aussi de méditation, de repos, pour justement faire le ménage. Des peurs, des angoisses en vous pour trouver la vérité, pour trouver des réponses. Vous voyez? Ouais, c'est beau. Ouais, vous vous êtes posé beaucoup de questions, hein. Pourquoi ça marchait pas? Pourquoi ça n'aboutissait pas? Lâchez prise et vous allez avoir vos réponses. Mais vous allez avoir la paix et vous allez sortir de votre coquille, de votre œuf, pour aller, pour être dans l'action et pour concrétiser vos projets. Oh, écoutez, hein, mes amis, il y a une belle rencontre, avec une âme sœur. Hein. C'est très très beau. Et on me dit que pour, certaines personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, c'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur. Moi, c'est ce qu'on me dit. Il y a une réparation. Une réparation peut-être dans une situation de justice ou dans le travail ou sentimentale. Hein. Il y a une réparation. On va se réparer peut-être d'une peine de cœur ou de problèmes que vous avez eu avec un patron. Il y a une réparation là. Hein. Parce que cette personne n'a pas respecté les règles. Donc c'est vous qui allez gagner. C'est vous qui allez avoir gain de cause. C'est beau, hein? Oh, vous avez la bénédiction. La bénédiction, hein, c'est des projets qui se réalisent. Il y a eu quand même conflit, chaos avec quelqu'un. Hein. Et vous avez pris peut-être la décision de quitter cette personne. Hein. Ouais. Vous avez vraiment un esprit imaginatif, créatif. Hein. C'est dans cette créativité aussi que vous allez faire avancer des choses dans votre activité professionnelle. Hein. C'est très bon, vous avez le pouvoir supérieur, vous avez la source, vous avez l'univers, les vos anges, vos guides près de vous. Hein. Vous n'êtes pas seul. Hein. C'est très beau. Hein. Ouais. Vous êtes en train d'évoluer spirituellement, mes amis. Ouais. Vous réfléchissez beaucoup. C'est très très beau. Magnifique. Allez, avec les murmures de Ganesh, on va regarder pour vous, mes amis. Balance, ascendant balance pour ce mois d'avril. Il y a une belle évolution spirituelle, hein. Une belle introspection qui vous fait avancer et qui vous font. Ouais, il y a votre détermination aussi, hein. Vous êtes déterminé à réussir, vous êtes déterminé à sortir d'une situation, de quelque chose qui était chaotique ou qui n'était pas juste. La balance n'aime pas, hein, l'injustice. Ouais, et vous allez aller vers vos priorités. Ouais, vous allez vers votre objectif. Vous êtes complètement déterminé. Ouais, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de choses originales aussi que vous allez peut-être mettre dans votre travail, dans votre projet professionnel. Parce que je ressens qu'il y a beaucoup de balances qui se lancent dans quelque chose d'indépendant. Ça va marcher, hein. Vous allez au principal, vous allez à l'essentiel, voyez? Mais là, c'est vous qui passez avant tout. Vous allez vers vos priorités et vous êtes complètement déterminé. C'est beau, hein? Magnifique. Il y a une évolution spirituelle. Regardez, vous ouvrez votre cœur. Il y a ce lotus, la fleur de lotus qui est ouverte, hein? Vous écoutez vos intuitions, hein, mes petites balances. Hein? Un message s'il vous plaît pour les balances. Le mois d'avril. Oh, vous avez l'harmonie. Ça, vous adorez, hein, cette carte. Hein. C'est vraiment bien associé à votre signe, l'harmonie, la stabilité, l'équilibre que vous allez retrouver, mes amis. L'ancrage. L'ancrage.
voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un éveil spirituel. Vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des messages, vous allez avoir beaucoup d'intuition, mes amis Balance. Et là, vous allez les écouter. Ah oui, il y a une transformation personnelle complète. Oh, alors là, hein, regardez, c'est lié à cette carte de crayon. Affirmez votre pouvoir. C'est beau, hein. Générosité. Ouais, il y a beaucoup de, peut-être, il y a beaucoup de générosité en vous, certes, mais aussi dans votre projet professionnel, c'est peut-être quelque chose qui va vers la générosité pour apporter des choses à l'autre, aux autres. Ouais, c'est beau. Vous voyez, il y a une aide divine. Je voulais dire, c'est magnifique. Une belle évolution spirituelle et vous êtes aidé, vous n'êtes pas seul et vous êtes complètement déterminé pour aller au but, pour aller vers votre objectif et ça c'est très beau, hein. Ouais, magnifique. Ah oui, c'est très très joli avec les portes des mondes mystiques. On va prendre une carte pour vous, mes amis. Balance. Rappel 2021, s'il vous plaît. Ouais. Qu'est-ce que je suis en train de chercher, mes anges? Passer à l'action. Je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Vous voyez, il saute par-dessus un torrent, là, une rivière. Vous allez passer le cap, vous allez oser, oser faire et surtout oser être qui vous êtes. Vous voyez? Avec confiance, ouais. Baigné dans la joie. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Vous allez beaucoup vous relier à votre enfant intérieur, hein, pour créer, pour être plus légère, pour écouter. Alors ça peut passer dans la créativité, ça peut être aussi en écoutant de la musique, en regardant des choses rigolotes, dans le rire, hein. C'est beau, hein. C'est une très très belle carte, hein. Oups, et celle-là, c'est vous allez entreprendre son voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Alors, il peut y avoir des déplacements, des envies de voyage que vous allez peut-être mettre en place lorsque ça sera possible, évidemment. Mais il y a peut-être un déplacement là que vous allez, ou des déplacements, ou des démarches que vous allez faire pour justement au niveau de votre travail, de ce que vous mettez en place au niveau professionnel, se concrétise. Et de toute façon, ça va se concrétiser, ça va avancer. Alors, je voulais vous prendre un petit message de l'oracle des elfes, un petit conseil, un petit message. Pour vous, mes amis, balance. Un petit message des elfes. Non, il y en a trop. En tout cas, j'espère que vous gardez le moral. Il faut être et il faut rester optimiste. Je sais que parfois, c'est difficile hein, dans ce contexte que l'on vit, que on vit là. C'est pas marrant. Alors, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Voyez, ça reconfirme. Vous avez vos guides spirituels autour de vous, bien sûr, vos anges, vos êtres chers, et vous avez l'univers, vous avez la source. Faites vos demandes, mes amis. C'est bon, hein? Il y a un moment pour tout. Saisis-le. Saisis-le. L'époque de la moisson est arrivée. Récolte la joie, détends-toi et savoure. C'est beau, hein? Ouais. Vous allez vraiment vers quelque chose d'apaisant, de joyeux, de gai, d'heureux. Vous voyez? Mais il y a des choses que vous devez saisir, des occasions, hein, que vous devez saisir. Vous allez le faire, bien évidemment, hein. Mais il y a vraiment quelque chose que, pour moi, c'est ce que je ressens fortement pour vous, mes balances, c'est que vous aviez un projet depuis longtemps, vous aviez essayé, ça bloquait, ça n'avançait pas, vous avez été peut-être ouais, découragé, niveau professionnel, hein, je sens. Mais là, ça va se mettre en place et ça va se concrétiser. Alors, un petit message des anges pour vous. Il y a eu des elfes, mais je souhaite vous faire vous donner un petit message des anges. Vous savez, je me laisse guider pour chaque signe. Parce que j'utilise les oracles, c'est très personnalisé en fait. C'est
des guidances pour tout le monde, mais j'utilise, vous avez dû vous en apercevoir après, je change d'oracle, ouais, parce que c'est ce qu'on me dit de faire, on me guide. But de la vie, voyez, passer à l'action, hein, affirmer votre pouvoir, mes amis, et entreprendre ce voyage vers le but de votre vie. Le but de votre vie, de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, et c'est vraiment pour apporter du bien-être aux autres. Concentrez-vous d'abord sur le service, ouais, sans chercher votre but, et vous recevrez tous les bienfaits en retour. Ouais. Ça, c'est tout à fait la balance, hein. Alors, ça peut être dans les soins énergétiques, ça peut être en créant son association pour apporter du bien, une écoute, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi dans la créativité, dans la voyance, dans, vous voyez, plein de choses. Ça peut être aussi dans d'autres métiers, bien sûr, hein, dans la justice. Alors, on va regarder avec les rêves enchantés de Le Normand. Alors, les balances pour le mois d'avril 2021. On me dit qu'il y a choix, décision à prendre. Vous arrivez à la croisée des chemins et vous allez prendre des décisions. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental. On quitte une personne ou une relation toxique, hein, parce qu'on en a marre. On en a marre. Et on a envie de partir pour avoir du temps, se retrouver, passer du temps pour soi, avoir du temps pour soi, et pour justement retrouver vos énergies. Et là, vous allez passer à l'action, pour retrouver la joie, bien sûr. Alors, ça peut être aussi un choix professionnel, hein, mes amis. Vous êtes vraiment dans un fin de cycle, hein. Vous voyez, vous voulez quelque chose de plus harmonieux, de plus agréable, de plus correspondant à vos demandes normales. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent là pour vous. Ouais, il y a des révélations, mais il y a aussi, pour moi, c'est vraiment des intuitions, hein, des intuitions, hein, des ressentis très forts. Hein, ouais. Et vous êtes guidés par rapport à ces ressentis, mes amis. C'est ce que je ressens. Oh! Elle a sauté. Ouais, c'est bien pour le travail. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Il y a beaucoup de... Parmi vous qui écoutez, il y a vraiment des personnes qui changent de travail. Hein. Ouais. C'est très positif. Et il y a des bonnes nouvelles, hein, à la clé. Ouais. Ouais, vous partez vers la nouveauté. Il peut y avoir aussi des déménagements. Hein. Changer d'environnement. Hein. C'est un choix, hein, bien sûr. Il y a des bonnes nouvelles peut-être par rapport à un logement, une location ou un achat de maison. En tout cas, vous partez. Ouais. Faites le choix de partir. Ouais. Me dit que de toute façon, vous êtes protégé dans ces choix. Il y a vraiment une nouvelle direction professionnelle. Il y a même une nouvelle direction sentimentale et un nouvel environnement. Il y a des gens qui changent de vie. Hein. C'est ça, entreprendre son voyage. C'est de partir de là où on vous appelle, c'est tout. Hein. Pour découvrir d'autres personnes, pour découvrir d'autres lieux, pour découvrir aussi un autre travail. Hein. C'est beau, hein, ça bouge. Ouais. Vous allez être beaucoup plus sereine, hein, mes amis. Que vous soyez un homme ou une femme. Ouais. Bon, il y a eu quand même des prises de tête, hein, de l'anxiété. Vous êtes pris la tête, hein, parce que vous ne saviez pas quelle direction prendre. Hein. Et il y a eu quand même des bâtons dans les roues. Mais là, c'est terminé. Vous allez vers la lumière, vers le soleil. Vous voyez, vous avez dû attendre longtemps et ça vous a beaucoup stressé et fatigué, épuisé. Hein. Voilà, vous avez fait vos choix, hein, et vous sautez le pas. Hein. Vous êtes dans l'action. Avec, c'est marrant. Hein. Vous voyez? Vous avez envie de voyager, vous avez envie de partir, vous avez envie de partir, ouais. Oh, il y a l'amour. Oh, il y a une belle rencontre sentimentale là qui va se faire, hein, mes amis. Ouais. Et cette rencontre, elle va vous faire ressentir beaucoup d'émotions agréables, évidemment, hein. Ouais.
On me dit qu'il y a vraiment quelque chose. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que pour les personnes au niveau financier, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Donc, il y a des rentrées d'argent. Il peut y avoir aussi des nouvelles administratives qui coupent quelque chose qui était, qui arrête quelque chose, une situation peut-être de justice. Et vous allez gagner. Et il peut y avoir de l'argent à la clé. Ouais, ça peut être sur un divorce ou un conflit avec un patron, des choses comme ça, hein. Mais c'est quelque chose où vous gagnez et il y a de l'argent à la clé. C'est ce qu'on me dit. Bon, mais vous avez une très très belle évolution spirituelle, mes amis Balance. Des prises de conscience très très fortes, des fortes intuitions. Allez, avec l'oracle de la femme. On va voir un petit... Oh bah dis donc, celle-ci, elle a volé, vous avez vu? Oh, dis donc. Ouais, tu vois, il y a une fin, une renaissance. Une renaissance dans votre propre énergie, dans votre propre chemin, dans votre propre vie, les petites balances. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure au début, vous avez dû être très comme obligé de se taire pour peut-être avoir la paix ou pour ne pas faire d'histoire. Vous n'aimez pas trop le conflit, vous, hein. Et vous êtes tu pendant des années et là, ça explose, quoi, hein. On ne se tait plus, on dit les choses que l'on souhaite, voilà. Et on dit surtout les choses qu'on ne veut pas. On sait dire non maintenant. Ouais. Ouais. Il y a une fin de quelque chose et une renaissance à autre chose de nouveau, très positive. Et vous allez trouver la sérénité, la paix. Hein. Ouais. Vous voyez? Vraiment une renaissance, une naissance à la vie. C'est vous qui naissez à la vie. Il peut y avoir aussi des naissances, hein, des bébés. Hein. Ouais, vous êtes beaucoup battu entre eux. Vous avez bien exploré votre côté noir, mais vous partez vers votre côté lumineux là. Hein. C'est beau. Il y a beaucoup de choses positives là qui viennent vers vous. Et ça va être une délivrance. Hein. En tout cas, vous allez le ressentir comme ça. On me dit que oui, vous vous êtes assez tu. Et là, il y a la communication. Hein. Vous avez été très déçu. Il y a eu des déceptions aussi. Hein. Dans la famille, et là, vous poursuivez vos objectifs. En tout cas, vous restez concentré sur vos objectifs. Vous êtes déterminé. Vous avez besoin de bienveillance. Vous avez besoin de douceur. Vous voyez, introspection. Hein. Et vous allez voir les choses différemment. Il y a des cadeaux de l'univers, des surprises pour vous. D'ailleurs, des engagements. Hein. On signe des papiers pour un travail. Hein. Mais c'est un cadeau de l'univers. Vous allez être super content et contente. Ouais. Alors ça peut être sur l'achat d'une maison ou un nouveau bail, hein, un déménagement, ou ça peut être professionnel. Ça peut être aussi sur votre un nouveau projet professionnel que vous mettez en place. Il y a des très bons papiers. Hein. Vous avez quelqu'un de décédé qui est là-haut, qui veut communiquer avec vous, qui vous envoie des messages. Et cette personne vous protège et vous guide. Il y a une libération. Oh, c'est magnifique, hein? Et vous avez votre lumière, vous travaillez avec votre propre lumière, c'est-à-dire que vous écoutez vos intuitions. Hein. Ouais, c'est beau, hein? Ouais, vous vous occupez davantage de vous, mesdames, hein? Même vous aussi, messieurs. Il y a aussi une très très belle énergie de sensualité, de beauté, de charisme que vous allez dégager ce mois d'avril. Vous voyez? C'est ce que je ressens, vous, monsieur, vous, madame. C'est ce que je ressens. Ouais. C'est très beau. Donc, vous allez attirer l'amour. Hein. Mais le vrai, hein, celui-là. Hein. Ouais. C'est très beau. Magnifique. Alors, on va regarder avec le grand oracle de l'amour, justement, mes amis. Balance pour ce mois d'avril. Non, il y en a trop. Balance. Ouais, il y a peut-être aussi eu une emprise. Hein. Vous avez peut-être eu une dépendance affective avec quelqu'un. Hein. Et cette personne jouait au chat et à la souris. Hein. Et vous en avez eu ras-le-bol. Hein. Donc vous quittez peut-être cette personne hein, qui a joué avec vos nerfs. Et avec vos sentiments.
Oui, il y a peut-être eu, c'est peut-être dans le passé, hein, ça. Hein. Oh, il y a une belle rencontre sentimentale, mes amis. Il y a une rencontre. Attention de ne pas retomber dans la dépendance sentimentale. Hein. Mais comment je suis coiffée, moi? Voilà. Alors, pour les balances au niveau sentimental, pour le mois d'avril. Ouais. Vous vous êtes senti peut-être un petit peu oublié au niveau sentimental. Dans certains couples, parce que là, il y a l'oubli. Et voyez, on voit des chaussures avec une toile d'araignée. Moi, je sens que, ouais, dans certains couples, vous n'avez pas été entendu, pas écouté, pas mis en valeur. Ouais, c'est ce que je ressens et ça vous a fait souffrir, tout ça. C'est la raison pour laquelle hein, vous allez vous affirmer, affirmer votre pouvoir et que vous allez prendre du temps pour vous diriger vers des choses qui vous font plaisir. Et vous allez être plus dans la communication de dire les choses. Parce que là, auparavant, on ne vous a pas écouté ou on n'a pas entendu et là, on va l'entendre. Hein. On va vous entendre. Il y a des grands bonheurs qui arrivent pour vous. Hein. Il y a plus de légèreté aussi. Pourquoi? Parce que vous prenez des décisions. Hein. Et vous dites les choses. Ouais. 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 Dans le couple, c'est ce que je ressens. Dans certains couples, moi, pour moi, vous avez été mise à l'écart où on prenait pas en considération, on ne vous prenait pas en considération. C'est ce que je ressens, hein. Mais là, vous reprenez votre pouvoir et vous dites les choses, hein. C'est ce que je ressens. Par contre, là, il y a une belle rencontre, hein. Une belle rencontre sentimentale, beaucoup de bonheur et de joie. Et vous allez former un couple, hein. Il y a des décisions là côté sentimental, hein. Ça va être vraiment quelque chose de très agréable, de très fluide, très léger. Ouais. Il y a vraiment quelques. Moi, je ressens que pour certaines et certains d'entre vous, Balance, il y a eu comme quelqu'un qui a joué au chat et la souris, hein, avec vos sentiments. C'est bien dans un couple, dans les couples, et vous vous êtes mis à l'écart où on n'a jamais écouté ce que vous aviez à dire et tout, hein. Et vous avez eu beaucoup de peine, hein, on vous a cassé, on vous a brisé le cœur. Mais il y a un grand bonheur qui arrive pour vous. Il y a quand même une grande attirance côté sentimental là, avec quelqu'un. Je ne dis pas que dans les couples, vous allez rencontrer quelqu'un, quoique c'est fort possible. Ouais. Il y a beaucoup de tendresse. C'est ce que vous recherchez, hein. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Hein. Ouais. C'est peut-être des couples qui sont mariés depuis longtemps. Hein. On a voulu vous briser, on vous a brisé. Mais là, vous mettez du bonheur dans votre vie. Vous mettez de la tendresse, de la gentillesse dans votre vie, pour vous-même, hein, pour vous sentir plus léger. C'est ce que je ressens. Ouais. Tout ça, c'était à cause de la jalousie, méchanceté, peut-être d'une belle famille ou d'autres personnes. Hein. Ouais. Il y a des choses que vous allez raccommoder avec votre autre, hein, en disant les choses. Je vous l'ai dit, vous allez dans la communication. Bon, il y a l'harmonie deux fois, hein, ça sort. Hein. Vous allez retrouver votre puissance, votre énergie. Il n'y a rien à faire. Hein. Ouais. Parce que vous, dans une relation, vous êtes fait beaucoup d'illusions et il y a eu trahison et vous partez. Mais il y a une autre rencontre, hein, je vous l'ai dit. Il y a une autre rencontre sentimentale. N'oubliez pas parce que vos énergies sont très... Je ressens une énergie de charme. Vous allez beaucoup attirer. L'autre, les autres, vous allez attirer le regard. Il y a beaucoup de sensualité, il y a beaucoup de beauté qui vous entoure. Vous allez être charmant, charmante. Voyez? C'est ce que je ressens, hein. Donc c'est très très bon, hein. C'est très positif. Allez, un petit conseil des anges pour vous. Conseil des anges pour les balances. Petit conseil des anges.
le mois d'avril. L'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt, vous voyez, je vous l'ai dit, et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. C'est beau, hein? Et il y a des choses qui s'éclaircissent dans votre vie. Il y a l'harmonie, il y a la paix, il y a l'amour dans votre vie, mes petites balances. Ouais. Et il y a vraiment une réalisation dans le travail. Moi, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? On va regarder un petit avec l'oracle du quotidien, mes amis. Alors, petit message pour les balances, s'il vous plaît. Pour les balances. Pour avril 2021, c'est quoi le message? Votre mental a besoin d'une pause. Vous voyez? Arrêtez de vous faire des films dans la tête. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Ouais. Oh, faites travailler votre côté féminin, mes amis. Oh, exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Ce que vous faites. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Pour vous, monsieur, pour vous, madame. Hein. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous donnera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle, pardon. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif et persuasive. Voyez? Je vous l'ai dit, hein, une énergie yin, une énergie de séduction, une énergie de beauté, une énergie de sensualité. Voyez, vous allez beaucoup attirer les gens vers vous. C'est ce que je ressens, hein. Je vous l'ai dit. C'est beau, hein. C'est très beau. Malgré que vous êtes peut-être encore là actuellement dans l'indécision, dans l'hésitation. Mais vous allez avoir des réponses, mais c'est en vous reconnectant à la nature, faut vous détendre, il faut vous reposer pour avoir vos propres réponses. On va regarder quand même avec l'oracle de la transformation, mes amis. Pour vous, mes balances pour le mois d'avril. Oui, bien sûr. Il y a des changements corporels, hein. Vous allez peut-être vous remettre en forme, par le sport, perdre du poids, changer votre garde-robe. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, changement corporel pour être plus séduisant, plus séduisante. Ouais. Il y a un changement de programme de soins. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous bichonner. Hein, et vous avez bien raison. C'est aussi pour la santé. Hein, votre santé, pour votre santé. Balance. Passez à l'action maintenant. Hein. Sautez le pas. Hein. Pour votre projet, ça ne sert à rien d'attendre. Ben, de toute façon, on bouge quand c'est le moment, hein, tout simplement. Ouais, il y a le changement d'alimentation. Hein. Vous allez plus prendre soin de vous. Pour votre aspect extérieur, vous allez plus faire attention. Ouais. Ouais, il y a la motivation, elle est là. Hein. Super! C'est magnifique. Et vous allez déménager, vous allez partir. Hein. Il y a un départ. Hein. On se dirige vers ses objectifs. On part parce qu'on a envie de voir autre chose et on a envie de respirer un nouvel air. Hein. Ça, c'est clair. Allez, on va regarder avec. Bah, il est où? Je cherche la boîte. Bien sûr. Ah, bah, elle est là. Ok. Allez, on va demander un petit message. Des anges de l'amour pour vous. Ouais. Et ensuite, vous poserez une question. Voilà, mes amis.
petit message des anges de l'amour pour les balances. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Même si vous quittez quelqu'un, vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr et certain. Pour ceux qui sont seuls, vous allez faire une très très belle rencontre. Je vous l'ai dit. Les pensées positives apportent que des choses positives. On est bien d'accord. Message des anges, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Ouais, il y en a d'autres qui vont s'engager, niveau côté cœur. On l'a vu aussi tout à l'heure. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous allez vraiment, vous avez peut-être hésité, vous avez peut-être eu peur, mais vous allez avoir des confirmations, vous allez être sûr de vous. Laissez une chance à votre relation. Eh oui. Travaillez sur votre couple. Ça, c'est pour ceux qui sont en couple, qui sont mariés. Vous avez beaucoup travaillé sur votre couple. Mais moi, je sens qu'il y en a beaucoup qui, vous avez travaillé, mais que l'autre, non. Là, il y aura une séparation. Pour certains d'entre vous. Parce que vous voyez, il y a un engagement pour d'autres. Parce qu'on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Et ceux qui vont se séparer, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Allez, encore une petite dernière. Ouais. Ouais, tu voyais, laissez partir votre ex. On voit que vos énergies, vous allez réussir à les purifier, ces énergies. Il y a une nouvelle passion, une nouvelle attirance, un nouvel amour, En tout cas, pour les couples qui vont s'engager, alors je dis pas que tous les couples mariés vont se séparer, c'est pas ça. Il y a plus de passion, il y a plus de rapprochement, il y a plus de sensualité dans les couples. Donc c'est quand même, c'est pas mal, c'est sympathique, c'est très très positif même. Allez, vous allez vous poser une question, vous allez poser une question et les anges vont vous répondre, mes amis Balance. Alors. Prenez votre temps, une question comme vous voulez, disons sentimentale ou professionnelle, mais je pense que vous êtes plus sentimentale. On me dit oui. Une petite dernière. Rétablissement. Ben, on va peut-être se rétablir sur une séparation ou quelque chose, ou votre santé. On me dit que oui, ça va aller. Regardez-moi ça, amour romantique. C'est pas beau ça? Magnifique, mes petites balances. En tout cas, vous avez un jeu, une guidance. Votre mois d'avril est magnifique. Vraiment, plein d'amour, plein de tendresse, plein de tendresse, de charme, de sensualité. Vous allez vraiment attirer. Vous allez vraiment attirer par votre charme, c'est sûr. Voilà mes amis Balance, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais terminer Taroscope et après je vais vous faire d'autres messages parce que on me pousse à les faire. Je vais vous les laisser découvrir et je vous